Je suis fatiguée. Elle me donne un de ses travails, toutes ces femmes. Tu n'as vraiment pas eu de chance dans cette vie, Selena. J'espère que ta prochaine vie sera meilleure. Débarrassant. Vous voulez que je couvre le corps? Ça, c'est à la fin du rituel. Laisse-moi m'en charger seule. C'est vous qui décidez. Ah, mon amour, tu as lu dans mes pensées. J'allais justement t'appeler, mon chéri. Emma a essayé de prendre contact avec toi. Est-ce qu'elle t'a demandé une rançon? Non, mais je continue de penser qu'elle n'a pas Selena. Toi, tu as eu des nouvelles d'elle? Elle t'a pas appelé? Je n'ai pas quitté mon téléphone, mon amour. Tu sais comment ça me rend nerveuse, toutes ces choses. Mais je continue à prier pour que ton épouse revienne bientôt à la maison. Et pour qu'on mette Emma sous les barreaux, si c'est elle la coupable. Les bottes. Les bottes qu'a dessinées ma mère. Ah, mon chéri. Aujourd'hui, je vais aller à l'église pour demander au prêtre de faire une prière pour nous tous. Ah, je vais finir par tomber malade avec tout ce stress. Tu as pu en savoir davantage en parlant avec ses amis? Non, maman. Selena n'a pas beaucoup d'amis et... Sincèrement, plus je vois les heures et les minutes passer, plus je m'inquiète pour elle. C'est possible que cette histoire d'enlèvement soit vraie. Gaston? C'est comme si elle s'était évanouie dans la nature. T'inquiète pas, mon chéri. Tu dois conserver ton calme. Tu dois garder la tête froide et retrouver cette femme, Emma, pour qu'on puisse l'interroger. Elle doit savoir où se trouve Selena. Emma n'a pas donné signe de vie non plus, mais... Je crois avoir trouvé la solution pour la faire réapparaître. Et comment? Toi, continue à prier. Et moi, je vais m'assurer qu'Emma sorte de sa cachette et qu'elle réponde à toutes les questions de la police. Et comment penses-tu faire? Je vais faire détruire la maison de Vallée de Bravo. Tout est déjà prêt pour la démolition. Et je suis sûr que ça va attirer l'attention d'Emma. D'Emma? C'est Olivia plutôt qui s'intéresse à cette maison. Pourquoi cette femme? Cette femme avait l'air aussi intéressée qu'Olivia par cette maison. J'ai même cru un moment que c'était Olivia. Gaston, tu crois la même chose que Selena? Tu penses qu'Emma est en fait Olivia? Maman, si ce que j'ai prévu de faire fonctionne, cette femme va sûrement venir jusqu'à moi et on va pouvoir le découvrir. Aujourd'hui, tu vas rester dans le jardin pour surveiller. Oui, madame. J'ai besoin de prendre un bain et de boire un thé. Et qu'est-ce qu'on fait du corps? Tu vas le laisser ici et tu attends les instructions. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir la vérité, alors il faut surtout bien penser à la prochaine étape. Je crois qu'est venu le moment de faire ce que dit notre ami le policier, détourner l'attention. Ah, cette Selena.
Marcella ? Je suis venu te dire qu'ils ont ouvert un nouveau restaurant près d'ici, pas loin des sushis, alors je me disais, peut-être qu'on pourrait y aller dîner ? Merci, mais je préfère rester ici travailler. Je suis en train de regarder cette nouvelle lettre anonyme. Donc tu crois que Hortensia est sûre et certaine qu'on les a envoyés à Loupé ? Complètement. Mais ce message a quelque chose de bizarre. Regarde, si tu observes la typographie, c'est pas la même que celle des revues qu'utilise l'assassin. Et qu'est-ce que tu crois ? Que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit ? Je crois pas. Les lettres viennent d'une revue de mode. Mais si tu regardes bien la partie derrière, on peut voir que les lettres viennent d'une revue plus ancienne. Ouais, c'est vrai. Et ne l'allume pas, éteins-le. La police doit essayer de te localiser et elle peut le faire à l'aide de ce téléphone. Mais il faut que je parle à Gaston. Il faut que je lui demande s'il sait quelque chose qui peut nous aider à retrouver Selena à une piste. Et c'est seulement pour Selena que tu veux l'appeler ? Eh bien aussi pour moi. Je ne veux pas qu'il m'accuse de la disparition de Selena. Tu as vu les nouvelles, non ? Je ne veux pas que Gaston pense que j'ai quelque chose à voir avec ça. Au point où on en est, qu'est-ce que ça peut te faire, ce que Gaston pense ? Tu vas risquer d'aller en prison à cause de ce que ce type peut penser de toi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Que pour ce type, tu ne peux pas tout risquer, Olivia. Salgado est mort, la police te recherche. J'espère que ce que tu ressens, pour Gaston, ne te fera pas commettre une erreur. Si je ne te connaissais pas aussi bien, je penserais que tu es en train de me faire une crise de jalousie. Félix, on n'a plus 15 ans. Non, c'est pas ça. C'est de la curiosité. Gaston est le père d'un de tes enfants, t'allais te marier avec lui. J'imagine que ça t'a troublé quand tu l'as revu. Ça m'a fait beaucoup de choses. Il n'est pas seulement le père de mon fils. C'est aussi l'homme qui a donné une famille aux deux autres. Et je l'ai abandonné de manière cruelle, humiliante. Je sais. Mais... tu es amoureuse de lui ? Oh, Félix... Ne me parle pas comme si j'étais un enfant. Tu l'as dit toi-même, nous n'avons plus 15 ans. Mais je voudrais savoir si tu l'aimes encore. Après tout, te marier avec lui n'était pas une si mauvaise idée. Probablement pas. Ça aurait été certainement mieux que de vivre ce cauchemar. S'il te plaît, dis-lui que c'est urgent. Je t'ai dit que moi, je n'étais là pour personne. Ou alors je m'exprime pas assez clairement ? Je lui ai dit, madame. Madame, pourquoi Selena ? Dites-moi pourquoi Selena si je vous ai dit que... Thomas, moi je n'aime pas qu'on me critique. Et encore moins à cette heure-là. Je voudrais écouter ma musique et je peux pas, bon sang, quoi ? Non, madame. J'ai besoin de savoir pourquoi Selena ? Parce qu'elle a été insupportable. Elle ne m'a pas donné le choix, Thomas. Et ne crois pas que c'était si facile. Mais madame, Selena était inoffensive. Elle n'allait rien dire de tout ça à personne. Et en plus, madame, j'ai couvert la mort des autres femmes. Mais là, ça va être plus difficile. Marcella commence déjà à avoir des doutes. Mais toi, tu vas rester sans rien dire. Et tu vas continuer à être mon complice. Je te paye pour que tu maintiennes la police hors de tout ça. Est-ce bien clair ? Je vais te dire quelque chose. Sincèrement, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se serait passé si je lui avais dit toute la vérité dès le début. Quelle vérité ? Lui confesser que tu voulais tuer son père ? Que tu as engagé un tueur ? Pour qu'il le retrouve ? Je sais. Au début, je l'ai rencontré pour me venger. Mais j'ai fini par me rendre compte que je l'aimais. Tu l'as toujours aimé, pas vrai ? Même quand on était tous les deux ensemble, tu l'as toujours aimé. Je m'en suis rendu compte, petit à petit. Je me suis rendu compte que c'était un homme incroyable. On a eu un enfant merveilleux. Et pour mes aînés, ça a été un excellent père. Oui, c'est clair, et surtout pour Barbara. Quelle bonne manière d'être père. Oh, je t'ai déjà dit que Barbara a eu un comportement d'adolescente rebelle.
Gaston l'a toujours respecté. Ah, Félix, arrête de te comporter comme un enfant jaloux, s'il te plaît. Dis pas ça, Olivia. Je ne suis pas jaloux. C'est juste une observation. Ce que je vois, c'est qu'après tout ce que j'ai fait, j'ai jamais réussi à gagner complètement ton amour. Une moitié de mon cœur a appartenu à Gaston, et l'autre moitié, c'est toi qui l'as eu, Félix. C'est peut-être pour ça que finalement, je ne suis avec aucun de vous deux. Ah, appartenu ? Oui, Félix. Je me souviens encore du train que tu m'as offert quand j'avais 4 ans. C'était mon jouet préféré. Mais aussi celui qui me faisait souffrir le plus. Irrésistiblement, ton souvenir me venait à l'esprit. Et quand je jouais, ça créait en moi des sentiments mitigés de haine et de beaucoup de tristesse. Tout ce que je ressens quand je te vois. Et la question que je me pose toujours est pourquoi? Pourquoi tu m'as abandonné? Je t'en voulais tellement. Et je t'en voulais parce que j'avais vraiment besoin de toi, papa. Et pour que ça reste bien clair, Selena n'était pas aussi innocente que tu crois. Elle a deviné pour les revues et a essayé de fuir. Si je l'avais pas trouvée, qui sait ce qu'elle aurait été racontée? Madame, même votre fils a commencé à avoir des doutes. Il a pratiquement réussi à deviner Kema et Olivia. Et moi, j'ai pu cacher les autres morts. Mais celle-là, par contre, ça va être beaucoup plus difficile. Marcella aussi commence à avoir des doutes. Et elle est très intelligente. Mais toi, tu es beaucoup plus intelligent. Et maintenant, tu vas avoir Selena pour détourner l'attention. Comment ? Vous voulez que j'utilise le corps de Selena pour accuser Olivia? Ah, si tu pouvais faire ça, mais tu sais bien que j'ai un autre plan pour elle. Mais maintenant, ce serait mieux de détourner l'attention vers les acolytes du poète. Quoi? Tu as bien entendu, mon petit. Comme ça, quand Olivia sera enfin 6 pieds sous terre, on pourra en finir avec toutes ces morts. Il faut seulement que j'en finisse avec la vie d'Olivia pour pouvoir prendre ma retraite. Et pour ça, j'ai ma petite idée qui ne peut pas échouer. Merci. Bon, dis-moi, Francisco, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que ton frère a perdu l'envie d'exposer ses tableaux, ce qui me paraît pas plus mal. Mais ce que moi j'aimerais bien, c'est que la prochaine fois, il nous demande de venir à une heure plus propice. Exact. Je vous ai pas amené jusqu'ici pour vous parler de mon futur en tant qu'artiste. Je veux qu'ensemble, tous les trois, on analyse le tableau des bottes qu'a dessiné notre mère, et celui des filles. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans ces bottes? J'ai bien observé les proportions. Ces bottes pourraient être notre réponse. Tu as vu? Ça ne vient pas de la même revue. Cette femme en a utilisé d'autres. Pourquoi tu penses que c'est une femme? Parce qu'une fois de plus, les lettres ont été découpées dans une revue féminine. Une revue plus ancienne. Regarde, si tu observes, la typographie est classique. Derrière les lettres, on peut voir des photos en noir et blanc.
Ça veut dire que c'est une vieille revue. C'est peut-être une revue qui date d'il y a environ 40 ans. On a de nouveau affaire à une revue sur les mannequins, pour les femmes, pour les jeunes, et aussi sur la mode. Regarde. Tu vois ? Si Arnaldo, l'assassin présumé, est entré la nuit où ont été tués nos grands-parents, il aurait pu avoir ses bottes, non ? Probablement. Même s'il existe aussi la possibilité que ces bottes sont le fruit de l'imagination de ta mère. Parce qu'un artiste peut mélanger les choses réelles avec des choses qui n'existent pas. Oui, je sais. Mais après une expérience aussi forte que celle qu'elle a vécue, c'est resté gravé dans son inconscient. Et pour s'en libérer, elle a peint ses bottes. Ok, t'es en train de dire que notre mère a peint les bottes de l'assassin de ses parents ? Oui. Dans son journal, elle parle aussi de ses bottes, qui sont entrées dans cette chambre. Moi, je suis sûr que c'est notre mère qui les a peintes, pour pouvoir les effacer de sa mémoire, pour pouvoir oublier cette expérience. Oui, mais qu'est-ce qui t'a fait penser à ça ? C'est seulement une théorie. Mais qu'est-ce qui se passerait si ces bottes étaient d'une taille différente ? Comment ? Un pied plus petit que celui d'un homme normal. C'est exact. Non, là, je comprends plus rien. Non. Prête-moi ton téléphone. Ouais. Mets-toi à côté de l'autre tableau. Maintenant, approche le tableau avec les bottes. Encore. C'est bon, comme ça, c'est bien. L'assassin a peut-être utilisé ce genre de revue pour faire les lettres anonymes, mais ça ne veut pas dire qu'il les lisait. Mais peut-être que si, papa. Un meurtrier, ou dans ce cas une meurtrière, laisse toujours une sorte d'indice. Et cette femme est obsédée par la beauté. Les magazines de mode. Mais il y a aussi des hommes qui aiment la mode. À quoi est-ce que tu penses, Marcella ? C'est la perspective. Un objet, quand il s'éloigne du point de vue, il devient plus petit. Ce qui veut dire que la main de la petite fille correspond à la moitié de la botte. Exactement. C'est parce que la botte est celle d'une femme. C'est possible. Je crois que Jorquera a toujours eu raison. On a bien affaire à des crimes qui sont commis par une femme. La construction du centre commercial de Vallée de Bravo répond aux besoins de ses habitants de disposer d'un espace leur permettant non seulement d'accéder aux grands magasins, mais également à des lieux tels que des restaurants, des cinémas, entre autres. Et pourtant, il y a beaucoup de groupes écologiques qui sont venus protester contre la construction de ce complexe. Certainement aussi parce que c'est un très bel endroit à Vallée de Bravo. Écoutez, cette initiative est conforme à la norme environnementale en vigueur. Pour cela, nous avons fait toutes les adaptations demandées par les organismes publics. Très bien. Mais alors, qu'est-ce que vous pourriez bien dire à toutes ces personnes de Vallée des Bravo qui ne voient pas d'un très bon œil cette construction ? Qu'ils peuvent être tranquilles. Il ne s'agit pas seulement d'un projet commercial. C'est aussi un projet qui aura un impact positif. Ce type a l'air de savoir parler aux gens, vous ne trouvez pas ? Mais qu'est-ce que Gaston fait dans l'émission de Valentina ? Ils ont commencé les travaux de démolition de ta maison. Quoi ? Ils vont la détruire. Hortensia, apporte-moi un verre d'eau fraîche dans le salon, je vais attendre mon fils. Ah, Madame Andrade, c'est que votre fils n'est pas là. Il est sorti très tôt pour aller donner une interview pour la télévision. Ah, très bien, c'est pas grave. C'est sûr. Oui, tout va bien. Retourne faire ce que tu dois faire. Rends-moi un service, ok ? Tu peux le garder ? Bien sûr, madame, je vous le garde. À tout à l'heure. Allez, ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Aleda,
Je veux que tu arrêtes ce que tu es en train de faire tout de suite. J'ai un travail urgent pour toi. Madame, mais il faut que je termine de donner à manger à monsieur. Ce travail est beaucoup plus important qu'alimenter ce pauvre misérable. Je te conseille de ne pas t'attacher autant. Parce que dans peu de temps, tu iras lui rendre visite au cimetière. Madame Andrade, je vous demande s'il vous plaît de ne pas parler aussi fort. Moi, j'ai peur que quelqu'un nous découvre. C'est pour cette raison que je veux que tu fasses disparaître quelqu'un qui pourrait faire échouer tous nos plans. De qui vous parlez ? De ce cher Salgado. Il n'y a pas de doute, c'est une femme qui a des caractéristiques psychologiques bien définies. Et le pire, c'est que Selena est vraiment en danger si on considère qu'Emma est la coupable. Toi, qu'est-ce que tu crois ? C'est une théorie intéressante. Mais ça reste une théorie. Thomas ! Écoute, combien de fois on a déjà parlé de ce sujet pour toujours en arriver au même point ? Dites-moi. Vous savez ce que c'est le rasoir d'Occam ? Non. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien... fondamentalement, c'est un principe philosophique qui dit que l'explication la plus simple est la plus correcte. Et je le dis à cause de ce que dit Marcella. Nous avons énormément de théories à propos de la mort d'Olivia Zamora. Et certaines d'entre elles sont vraiment incroyables, hein ? Mais toutes celles que nous avons nous emmènent dans une voie sans issue. Et tout ce qu'on dit maintenant nous emmène dans la même impasse. Très bien, et alors qu'est-ce que tu en penses ? Il faut choisir la bonne théorie. La plus simple. Et c'est quoi la plus simple ? Le poète. Le poète est mort ? Oui. Oui, il est mort. Mais ses amis, non. Et ils sont toujours dans le coin. Et moi, je suis sûr qu'ils sont en train de se venger d'Olivia et d'Emma, en tuant leurs proches. Soyez logique. Comment a commencé tout ça ? Hein ? Parce qu'Olivia a fait une promesse à tous ces gens. Et pourquoi tu crois maintenant à cette théorie ? C'est la plus logique. Regarde, Olivia n'a pas tenu parole. Et les gens autour d'elle se sont convertis en victimes. C'est ce qui se passe à chaque instant dans ce pays. Voilà, malheureusement, tu traînes avec des gens qui ne sont pas très fréquentables. Il y a le prix à payer. Et ensuite, tu ne peux plus faire marche arrière. Cette théorie a aussi quelque chose de sensé pour moi. Mais le poète est mort il y a un moment. Le squelette est le seul associé que je lui connaisse. Cette meurtrière a un profil psychologique bien différent. Les narcotrafiquants ne laissent pas de pistes, mais des messages directs. D'accord, Marcella. Je sais que tu aimes le mystère, et tu vois. C'est pour ça qu'elles sont intéressantes, toutes ces histoires de conspiration. Mais la vérité est plus simple, et la tienne ne tient pas la route. Non, je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés. Ils vont détruire ma maison. Attends, toi, tu ne veux pas comprendre, pas vrai, Olivia ? Ils veulent te piéger, c'est pour ça que Gaston a fait ça. Il sait que tu vas y aller, et une fois là-bas, ils vont t'arrêter. Félix, cette maison, c'est toute ma vie. Non, non, Olivia. Toi, si tu es toujours en vie, eh bien, c'est grâce à moi. Et je ne permettrai pas que tu finisses en prison après tout ce que j'ai fait pour toi. Ça, ce ne sont pas les crimes d'un délinquant commun. N'importe quel policier en déduirait que c'est une personne malade, avec un grave problème de personnalité, et surtout avec une rancœur très forte envers les femmes. Mais si on y pense bien, il y a quelque chose de logique. Tous ces criminels sont en train de se venger de ma tante Emma. Mais tuer Selena n'a rien à voir avec une probable vengeance ou Emma. Francisco, réfléchis. Maintenant, plus que jamais, on a besoin de penser. Penser plus que Thomas, ou que l'assassin. Peut-être que je devrais aller parler avec le squelette, pour qu'il me dise quel était le rôle Francisco... du poète dans tout ça, pour qu'il m'enlève au moins ce doute. Non, 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 il en est hors de question. Regarde, la dernière fois, c'est à peine si t'as pu sortir de là-bas. C'est un homme dangereux. Alors quoi ? Moi, je reste ici, à attendre que ça se passe ? Non. Va voir Arnaldo. Moi, je m'occupe de Salgado. Je vais à l'hôpital. Marcella, Salgado ne s'est pas réveillé. Mais il va se réveiller. Et moi, je veux être là-bas avec ma liste de questions et il va falloir qu'il réponde. Bien sûr. Lui, il est impliqué jusqu'au cou dans cette histoire, mais il va te répondre. Qui sait ? On m'a dit qu'il est hors de danger. Ils ont dit la même chose pour le poète peu de temps avant qu'il meure. Allez, dépêche-toi un peu. Sois prudente et fais ce que je t'ai demandé de faire. Ne te laisse pas attendrir. À bientôt, monsieur Andrade. Allez, vas-y. Moi, finalement, je vais rester ici comme une bonne épouse. Et ne t'inquiète pas, je prends soin de mon mari. À plus tard. Regarde-toi un peu, misérable.
tellement tranquille, tellement silencieux, comme un enfant innocent. Quelqu'un qui te connaît pas pourrait penser que tu es un vieil homme paisible, une bonne personne. Mais eux, ils ne te connaissent pas. Ils savent pas la vérité, que tu n'es qu'un sale lâche, un faible qui a abandonné sa famille et qui a fui. Quand il a su que c'était son épouse qui avait dû faire le sale travail qu'il n'avait pas voulu faire, hein? Profite bien du temps qu'il te reste, Arnaldo. Oui, le peu, le petit peu d'heures qui te reste dans ce monde, parce que c'est la seule chose que tu auras à la fin de ta vie. Des heures, des minutes, des secondes. Tic-tac, 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 tic-tac. Boum. Deux manifestations sont prévues à Vallée des Bravos, car les travaux de construction du centre commercial El Valle, l'un des plus grands du pays, ont commencé. Rappelons que cette construction a suscité une vive controverse de la part des habitantes et des habitants de cette ville qui craignent pour sa valeur historique. Gaston, pourquoi vous avez commencé la construction sans moi? Moi, je vous avais demandé une semaine. On a dû commencer, Francisco. Ne t'inquiète pas, c'est seulement l'étape de démolition. Ensuite, quand on commencera les travaux, c'est toi qui les contrôleras. Mais on avait un accord. Oui, Francisco, mais j'ai dû faire des changements. Il s'est passé quelque chose d'important. J'ai besoin de trouver Emma pour la faire parler. Où es-tu? En route vers Vallée de Bravo. Désolé, Francisco. Mais Selena est toujours disparue. Et Emma va devoir se confesser. Olivia, ta petite amie est partie, mon ami. Comment ça, elle est partie? Quand t'es entré à la salle de bain, elle est sortie en courant. Mais ce qui est bien, c'est que tu lui fais confiance, non? Félix. Donne-moi ce pain, non? Oh, c'est pas vrai. Bonjour, monsieur. Ça fait longtemps. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici, Aleida? Aleida, moi, je n'ai pas trahi Christina. Moi, je n'ai trahi personne. Grand-père, je suis venue te lire un de mes livres préférés, Les Voyages de Gulliver. Ma maman me les lisait le soir. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose? Oui, comment je vais faire? Je sais, comme l'a fait Marcella. Moi, je te récite l'alphabet et tu m'arrêtes quand tu veux, ok? Ok. Alors moi je te récite l'alphabet et tu m'arrêtes quand tu veux, ok? Très bien. A, B, C. On peut continuer? A, B, C, D.
centre commercial, non au centre commercial, non au centre commercial, non au centre commercial, non au centre commercial. Descends là, à plat ventre au sol. R, S, T. A, B, C, D, E, F, G. Aleida ? Vite, vite ! Appelez le médecin. Excusez-nous, mademoiselle. Christina a tué ma grand-mère ? Patient Enrique Salgado, ce matin on m'a dit que tout allait bien. Je ne peux pas vous répondre, mademoiselle. Non au centre commercial, non au centre commercial, non au centre commercial, non au centre commercial. Arrêtez tout ! Arrêtez ! Arrêtez ces machines ! Allez tous ensemble ! Non au centre commercial 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 ! Si vous avancez, il faudra me passer sur le corps ! Non au centre commercial ! Non au centre commercial ! Non au centre commercial ! S'il vous plaît. Oui, je vous le rends de l'autre côté. Merci. Madame Andrade ? Aleida, j'espère que tu as de bonnes nouvelles. Oui, tout va bien. Tout s'est passé comme on l'avait prévu. Il n'y a aucun doute, tu es une professionnelle. On se voit là où on a dit. Non au centre commercial ! 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 Je savais que tu n'allais pas les autoriser à détruire la maison. Par contre, toi, c'est ce que t'es venu faire. Ça en valait la peine. Si j'avais pas fait ça, tu ne serais jamais venu jusqu'ici. Tu vas devoir expliquer beaucoup de choses à la police, Emma. Non ! Non ! Qu'est-ce que vous faites ? Lâchez-moi ! Non ! Les laissez pas m'emmener ! Non ! Où est-ce que vous m'emmenez ? Lâchez-moi ! Lâchez-moi, non ! Non, je veux pas venir, non ! Aide-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Alors comme ça, tu n'as rien à me dire ? Ou tu es vraiment une criminelle ? Tu n'en sais rien, Gaston. Oui, je ne sais pas ce qui se passe.
Je ne sais rien de ce qui se passe. Pourquoi tu ne m'expliques pas, hein? Vas-y, on verra si t'as une bonne explication. Pourquoi tu t'intéresses tellement à cette maison? Parce que ma sœur adorait cet endroit. Tous ses souvenirs sont ici. Les moments heureux qu'elle a vécus avec ses enfants, la vie à tes côtés. La vie de ta sœur Olivia ou la tienne? Non, tu ne peux pas détruire tout ça. Tu ne peux pas détruire cet endroit. Tu ne peux pas les laisser démolir cette maison. Tu ne peux pas faire ça, Gaston. Je peux pas faire ça, pourquoi? Pour nos longues marches dans la forêt, quand tu me demandais si le temps pouvait s'arrêter. Que ressentais-tu à ce moment? Tu m'aimais? J'ai cru que tu m'aimais, mais tu es parti. Et maintenant, tu n'as plus rien. Seulement une liste de meurtres pour lesquels on t'accuse. Si j'ai quelque chose. Et c'est peut-être la seule chose qui me reste. Ton amour. Ton amour inconditionnel. Et s'il m'arrivait quelque chose, cette maison est la seule chose qui resterait de moi. De notre histoire. C'est l'héritage de mes enfants. De notre amour. Alors comme ça, mon instinct ne me trompait pas. C'était bien toi. Tu étais vivante, cachée quelque part. Tu étais là. Tu l'as toujours su. Le jour où tu m'as revue, tu as su ce qui se passait. Mais il a fallu que je menace de faire démolir cette maison pour t'obliger à revenir. C'est pour ça que je te supplie de pas le faire, je t'en supplie. Parce qu'on s'y est aimé. Parce que c'est là qu'on a élevé nos trois enfants. Pour la famille qu'on a été. Pour notre amour. Amour. Tu oses encore me parler d'amour? Oui. L'amour que tu as eu pour moi. Tu le sais bien. Tu l'as toujours su. Cette maison, c'est moi. Dans cette maison, il n'y a pas seulement des moments de malheur, il y a aussi des moments de bonheur. Il y a mes souvenirs, mes secrets. Et aussi nos nuits d'amour. Nos nuits ensemble. Mon atelier. Ma chambre. Tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est moi. Oui, Olivia. C'est bien toi. Oui. C'est moi.